Rebonjour à tous pour la partie 13 de notre Let's Play Magicka en compagnie de Roméo, Romain, Kevin et moi-même. Hello. Salut. Romain est déjà mort, vous souhaitez le bonjour. Salut les gens. Bon, on va explorer s'il n'a pas des livres. Ah oui, il avait un livre en haut. Il avait un livre en haut. Ah, il y a un livre. Oui. Ah, je l'ai appris. Ressusciter les morts. Donc c'est E-R... D... S... E-R... Voilà. R... Ah d'accord, c'est en fait ce que les ennemis nous faisaient. Donc ressusciter des morts vivants. F... S... Voilà. E-R... Eh, ils attaquent l'autre. Non, t'as vu, ils attaquent l'autre. E-R... D... S... Thomas, tu vois que c'est un méchant l'autre. Regarde, il attaque. Mais je pense qu'ils se nourrissent entre eux, c'est normal aussi, hein. Ils ont faim. Bon, on avancerait pas un peu? Ouais, bon, allez, c'est parti. Bon, attends, on va le tuer, on va jamais le tuer. Bah non, ouais, au revoir, ouais. Au revoir, bah on te laisse là. On te laisse avec tes nouveaux potes. Ouais, chouette. Oh, attendez, j'ai envie de repartir un peu en arrière parce que dans beaucoup de jeux c'est comme ça. Il y a souvent des trucs ici. Bon, apparemment y'a rien. Je me suis trompé. Fed. Non, souvent c'est quand on voit un œil qu'il a un truc à faire. Ah, encore ? Eh ben dis donc. Ah bah dis donc. Ah bah dis donc. Ah bah dis donc. Ça rigole plus. Il y a un point de contrôle, tout ça pue. Non. Heureusement qu'il a des points de contrôle. Kevin. Ouais, c'est mon frère, non. Ouh, il y a encore des vilains. Alors. Voilà, je ressuscite des morts vivants. Ah. Allez. Voilà. Faut vraiment faire que la vie, hein, c'est un peu. Mais il y en a ceux qui ont une lanterne, il faut pas faire la vie contre eux. Ah, trop tard. Ah, eux, on spamme la vie. Voilà. Ça fait. Ça fonctionne bien. Réveiller les morts. Non, on finit par. Ah! Je comprends plus rien. C'est exactement le même problème qu'on avait contre les ennemis sur lesquels t'étais le seul à savoir à vivre. Ouais. Ouais. Bon, ceux qui sont à quatre pattes, faut pas utiliser la vie. Ceux qui sont à quatre pattes. Oui, ah, oui. C'est ceux qui viennent de me tuer. Les sirènes du bas. Vite ici. Sans vie. I will do. Lodi nada. Ah mais il y a un mage en fait. Voilà, c'est ça le problème. Des voilà. Il y a un mage, je le vois pas. Ah, il est mort. Il y avait un mage. Et son bâton, je joue son bâton. C'est le même que celui qu'on utilise actuellement qui réussit. Ah bah, donne-moi Romeo. Ah, allez. Spam espace, et voilà. Tiens, on peut avancer. Doucement, qu'est-ce qui se passe? Ah, je crois que je suis malade en fait. T'es en train de vomir, donc soigne-toi et puis reviens. Je suis en train de vomir, c'est génial. Ah! Danger, utilisez SF. Non! Je me suis trompé, désolé. Allez, hein, mais arrêtez, hein. Ah, Roméo. Mourir fait partie du jeu. Ouais, mais là, on dit... Ah, voilà. Contre les morts vivants, faut pas utiliser l'arcane, ça les soigne. Ouais, effectivement. Le S est interdit contre les morts vivants, voilà. On va créer un bestiaire avec les méchants. Les ça, la bestiaire. Bah, c'est oh là, on sait pas aller, bon, je joue dans le lac. Mais tu n'oublies pas, enfin... Non. Actuellement, on doit sauver Romain. Non, on ne doit plus sauver Romain. Ah non, je suis tombé dans l'eau. Romain, voilà. C'est bon. Ah! Lâche-moi. Oula, elle est pâtée. Ça va péter. Ne fais pas tellement ici. C'est fini. Attends, il y a peut-être un livre là-bas, non, ok. Non. Ah, des singes. C'est pas mon prix. N'oublie pas, pas le soin contre eux, voilà. On peut pas les faire ressusciter, eux. Je pense pas. Ah non, putain de saleté. Merde, je suis trompé de touche. Je suis trompé de touche, ça va faire mal.
J'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on doit découvrir c'est des arbres, ils m'attrapent et ils me tuent. Ouh. On peut me ressusciter. Ah, je suis décédé, Kevin, peux-tu nous ressusciter? Kevin, dépêche-toi, t'es mouillé. Merde, il pleut, non. Non, qu'est-ce que tu veux pas nous ressusciter? Non, si, c'est bon, il est pas mouillé. C'est bon, je suis pas mouillé. Pourtant, il pleut. Il a... Bah, bah, il a une capuche, pas. T'inquiète pas, il a une capuche. Et Kevin ne mouille pas. Ah non, il m'a pris. Ah, c'est bon. Bon, il a l'air décédé. Pourquoi je suis en feu? Ah ben mince, tu m'as pas volé mon bâton. C'est pas grave, il y en a encore un par terre ici. Non mais c'est pas les mêmes, c'est normal. Mais si, c'est le même. Non, hein, il est rond. Eh, hey, j'ai perdu mon bâton aussi. Ah non. Non. Il s'est passé quoi là? Kevin, tu nous as tués. Mais j'ai pas compris, hein. Bah tu l'as fait. Ouais. C'est le résultat qui compte. Je suis pas sûr, faudrait vérifier la vidéo, je suis pas sûr. Ok, je me suis suicidé cette fois-ci. Ouais. Ça frise. Moi aussi en même temps. Merci. Quelqu'un peut-il me ressusciter? Non, vous êtes mouillé. Voilà, là. Merci Romain. Le mec de Kev, il est en feu en plus. Il y en a qui m'a sauvé, je t'en remercie. Il fait quoi mon bâton? Amélioration de la résistance, merde, j'ai pas eu le temps de lire. C'est pas grave. Okay. Non. Ce sont des détails tout ça. Détails. Qu'est-ce qu'un détail? C'est très bien, tu vas le faire. Voilà. Amélioration de la résistance. Bon, bonjour Vlad. C'est toi. Vlad du futur. Gagne la confiance des villageois. Si c'est Vlad du futur, ça veut dire qu'il n'y en a un qui est dans l'époque actuelle. Tout à fait, Thierry. Ah ouais, c'est celui qui saute du bot. Bon, faut gagner la confiance des villageois. Bonjour, veux-tu être mon ami? Bonjour. Ça c'est fait. Je pense qu'on est fort amical. Hein. Quel enfoiré. Bon, on peut avancer? Non. Allez, c'est parti. Ah! Vous ne gagnerez jamais la confiance des villageois en les tuant. Merde! Ah merde! Oh non, ça vient en arrière! Oh non! Oh, shit! Oh. Ah, on recommence là, bah, c'est déjà ça. Voilà. Bon, on ne les tue plus. Qu'est-ce qu'on fait pour gagner la confiance des villageois là? Bon, on avance, on verra bien. Et tu leur parles aussi, peut-être. Ou alors tu les soignes. Mais non, il faut leur parler. Et ils sont plus là. Ils sont morts. Si, ils sont là, moi je les vois. Ah, bah on va les soigner alors. On va soigner les gens qui ne sont pas présents. On va soigner les gens invisibles. Ouais. Ah, je soigne les gens invisibles. On soigne les invisibles. On soigne des fantômes en fait, c'est normal. Bon, Roméo, je crois que tu es le seul à pouvoir faire quelque chose. Oui, mais attendez, n'avancez pas, je parle. Hein. Ah, excuse-moi. Ah. Reste à côté de moi, je regarde ce qu'ils veulent. Nous sommes tous si malades, parfois j'aimerais qu'il existe. Mais arrêtez! Tu sais les soigner! Il existe un sort pour que tout le monde soit en bonne santé. Bah oui, le soin. C'est ce qu'on est en train de spammer sans voir les gens. Notre seigneur est un grand sorcier, mais apparemment il ne peut rien faire pour nous. Non, 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 ça c'est fait mal! Et donc? Roméo, t'as essayé de culture poussée. T'as essayé de les soigner, Roméo? Je les soigne avec quoi? Bah, avec le sort de soin. Ah, voilà. C'est parce que... Salut notre seigneur, nous serions encore vivants. Bon, Roméo, continue à les soigner, bon. Remettez-vous tous au milieu pour qu'on... Ah oui, oui, ok, oui, en fait, ils ont pas de vie, effectivement. Voilà, donc il faut soigner, il faut que Roméo les soigne, parce qu'apparemment, nous, on peut pas les soigner. Bien joué, à sa tour. En fait, il y a Vlad qui parle, mais c'est en dehors. Non, c'est Aldor, lui. Aldor, bon. Ah oui. Mais fais le sort de zone, fais le soin de zone, Roméo. Non, parce qu'après, je sais pas qui j'ai fait. Oui, si quelqu'un, vous pouvez essayer de passer devant moi. C'est trop drôle de soigner des gens qu'on ne voit pas. Ouais, c'est marrant, hein. Voilà. Ah, bon. Bah, merci, Roméo. Ça a une cinématique avec quelqu'un qu'on voit pas, je suppose. Eh ouais. Pourquoi vous voyez pas quelqu'un se prendre là, enfin... Non. L'homme invisible dit que le seigneur les a dupés. Appuie sur l'espace, voilà.
Ça va être fun, hein. Dans la vidéo, ça va super bien passer. Cette scène va être mythique. Bon, ici, vous les voyez? Non. 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 Oh, une porte s'ouvre toute seule. Une porte s'ouvre toute seule. Il y en a 6? Ben, moi, j'en vois 4 et ils ont des robes. Moi, non, je vois personne. Ouais, voilà. Il y en a un rouge, un noir et un mauve. Voilà. Non, ben, voilà, maintenant, ils s'en vont. Ok, ah, bon, ben, c'est comme d'habitude, alors. Hop. Petit bug. Moi, je pense qu'ils vont réapparaître, là. Ce serait quand même malheureux. Bah, je sais pas. Ah, mais non, apparemment, ils sont partis. Ils sont enfouis. Ouh. Ah, un livre de sort. Ah, c'est quoi, peur? Ouais, c'est pas peur aux gens. Donc c'est ça, 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 et puis espace. D'accord, bon. Ça fait peur. Ah, ça fait mal aux yeux, l'éclair. Oui, n'est-ce pas, le futur. Oui, blablabla. Bla, 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 ce n'est pas important, ce qui compte, c'est cela. Oui, deux petits points. Après les deux petits points, il y a quoi, monsieur Vlad? Le comte n'aime pas particulièrement les étrangers, et il est d'un tempérament sanguin. Mais si vous lui expliquez gentiment la situation, il entendra sûrement raison. Ah bon, on va se battre contre Dracula. Non, il faut lui parler, je crois, mon ami. Ah oui, oui. Voilà, on va essayer d'être gentil. Bah, il va nous offrir des trucs, et après il va nous prendre en traître. Actuellement, tous les ennemis, enfin toutes les personnes à qui on a essayé de parler ont fini pour nous attaquer. Donc. Ah, attends. Ici, vous le voyez, le type par terre. Attendez. Oui, oui, on le voyait. Il allait nous donner quelque chose, ça tombe. C'est qui? Ah, c'est Vlad. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on est contre Vlad? Ah. Bon, bonjour Vlad. Ah, on peut pas lui parler, lui. Tuons Vlad. C'est tout ce qu'il mérite. Si vous mettez devant, ça va être difficile. Si c'est un zombie, non? Et puis on sait pas le congeler. Je sais pas. Merde. Et il est rapide en tout cas. Et quel est l'essor de soin ce contenu, non? Si c'est un vampire normalement. Ah, il faut y aller au corps à corps ou utiliser les rochers? Utilisez les rochers. Ouais, moi, s'il vous plaît. Ah, excuse-moi. Ah, mais je suis mouillé, voilà. Oui. Merci. Ah, ouf, il fait mal. Hein, il a un bouclier donc. Lâche-moi, il est en train de me manger. Voilà. Bah, utilisez les armes au corps à corps, ça fonctionne bien pour nous. Non, ça fonctionne pas du tout. Bah si, il perd 158 à chaque fois que je le touche. Eh, j'ai fait perdre plus de 1000 avec le rocher. Par contre, je brûle. Voilà. Je me demande bien à cause de... Ouais, bah moi, j'arrive pas à le toucher, hein, avec mon arc. Bah, est-ce que c'est peut-être une arme magique, Roméo? Ouais, non, le feu et les pierres, ça fait... Voilà, bah voilà, ça fonctionne, il est mort. Ah ouais. Le feu et la pierre, c'était... Je suis en train de brûler, j'ai l'impression que je vais mourir. Ah non, voilà, ça va. Non, ça va. Voyons si quoi, vous appréciez les ténèbres éternelles de Niflame. J'ai cru qu'il avait dit Niflame. Portus. Ah, il nous téléporte encore, il est pénible. On va se retrouver quoi, au temps des dinosaures? Bah ouais, pourquoi pas. Niveau terminé. Ah, mais il est niveau termin. Il fait qu'en fait niveau termin. Oui, on a tous ouais, niveau termin. Ça fait déjà plus niveau 1. Ouais, je sais bien, je me suis aperçu. C'est un des petits bugs du jeu. Tango funèbre. Ouh, ça va. Ouh, mince. Il reste. On est à combien de temps, les amis? Il y a un petit problème. 13 minutes. Bon, on va arrêter là. Ah, on peut arrêter? Bon, oui, on va arrêter là. C'est pareil, hein. À plus tard. Plus tard, okay. Bon, à plus tard, tout le monde. À la prochaine. Bisous, bisous.